Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres deux belles enveloppes. Donc une de Claricea et une petite commande que j'avais faite à Funipat. Voilà, donc nous allons donc commencer par celle de Claricea. Donc Clarisse, si tu passes par là, ben je te dis merci. Voilà, elle m'a envoyé cette petite enveloppe parce que ça faisait deux fois que je lui ai envoyé des petites choses, mais j'avais envie de lui faire plaisir. Et voilà, quand j'ai envie de faire plaisir, je le fais. Voilà, donc à son tour, elle a voulu me faire plaisir. Donc nous allons voir ensemble ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je les ai juste ouvertes hein, pour gagner du temps parce que voilà. Je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Donc déjà, il y a cette petite carte. Petite enveloppe, très belle d'ailleurs. Je pense que c'est Clarisse qui l'a faite. Donc voilà, je sors. Voilà. La petite carte qu'il y avait dedans. Et si je me souviens bien, Clarisse ne voulait pas se mettre au scrap. Mais apparemment, je crois qu'elle a fait comme beaucoup d'entre nous. Elle s'y est mise et franchement, elle fait de belles choses. Hein. Franchement, super, super. Bon, je vais lire un petit peu, oui. Voilà, c'est juste pour me remercier que ça va. Mais tu sais, Clarisse, je suis quelqu'un. Je suis une personne comme ça quand j'ai envie de faire plaisir et je le fais, et voilà, avec les moyens du bord, voilà, je fais mon but. Donc on est parti. Dans la lettre, il y avait ce set de tampons. Voilà, je ne sais pas si je l'avais, je ne crois pas que je le suis là. Là, il y avait ceci. Ah, j'adore la trappe fraise. J'adore. Il y avait ce petit bloc vintage élégant. Alors là, Clarisse, je ne sais pas s'il y a eu 30 000 pensées entre nous. Parce que depuis que je le cherche, celui-là, je n'ai pas trouvé. Même pas dans le nouvel Action qu'il y a ouvert récemment chez moi. Quand je vais à Action, il n'y a plus de bloc, il n'y a plus rien. Voilà, donc celui-là, et j'adore celui-là, j'adore. J'adore. Pas facile de vous montrer ça. Il est joli aussi. Voilà. Ensuite, il y avait ce set de pochoirs. Et ensuite, il y avait ce bloc pailleté doré. Donc, je pense que beaucoup le connaissent pas. Voilà, donc celui-là. Celui-là. J'adore celui-là. Il est super. Donc après c'est une... Donc écoute Clarisse, je passe par là. Alors, c'est sûr que tu vas passer par là puisque je sais que tu regardes mes vidéos, même si elles ne sont pas top. Mais comme on dit, il y a un début à tout et le progrès vient en persistant et en continuant. Voilà. Toujours se faire confiance et aller de l'avant. Voilà, donc Clarisse, je te fais de gros bisous. Je te remercie beaucoup et ça m'a fait énormément plaisir. Mais franchement, là, vraiment, je n'en attendais pas tant. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la commande de chez Funipat. Donc, voilà, j'ai tout sorti. Hein. Donc, voilà. Donc, déjà, la première chose que j'ai vue dans sa vitrine, il y a une chose que j'ai vue dans sa vitrine et qui m'a fait craquer tout de suite. Là, j'ai pas hésité une seconde. C'est ceci. Voilà. Le tampon.
tampon avec le flamant rose. Voilà, donc j'ai craqué, j'ai craqué. Voilà. Donc, j'ai pas pu résister. Ensuite, bon, c'est vrai qu'on est qu'au mois de juin. Pour la suite, je sais qu'on est qu'au mois de juin, mais je suis une personne, on va dire, entre guillemets, très voyante dans tous les domaines. Donc, je sais que c'est pas encore le moment d'Halloween, mais ça vient très très vite. Donc, je me suis commandé ce moule tête de mort. Parce que depuis que je fais de la polymère, c'est-à-dire depuis 2 ou 3 ans, tous les ans, à Halloween, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire avant, à part des petites citrouilles en polymère, bon, ben, ça c'est pas trop compliqué à faire, des petits fantômes, c'est pas trop difficile à faire non plus. Par contre, les têtes de mort sans moule, non. Je suis pas très, très modelage manuel sans moule. Donc, cette année, je me suis pris à l'avance. Et voilà. C'est ça que j'ai commandé ce moule. Voilà. Ensuite, je me suis commandé ceci. Donc, c'est une petite boîte vintage où c'est marqué merci beaucoup. Et à l'intérieur, vous avez 4 tampons. Je vais vous les montrer. Donc, vous avez déjà celui-ci. Ah, on dit qu'il est à l'envers. Vous avez déjà celui-ci. Ensuite, vous en avez 2 petits, comme ceci. Je trouve mignon le petit lapin parce que en fait, ça peut servir aussi pour les créations de Pâques. Bon, pour maintenant, Pâques, ce sera l'année prochaine. Mais bon. Et vous avez ce tampon, donc merci beaucoup. Voilà. Bien rangé soigneusement dans une belle petite boîte métallique. Voilà. Ensuite, j'ai commandé pour finir les deux autres pièces. L'une. Donc, vous avez les 3 dimensions, hein, l'écran. L'écran. Le moyen. Et le petit. Voilà, comme ceci. Et Patricia est une personne que j'aime beaucoup. Elle m'a rajouté ceci dans le petit colis. C'est super sympa. C'est super sympa. Voilà. Ce sera tout pour la vidéo. Patricia, si... Ben, voilà, si tu passes par là, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Merci, merci, merci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye. Bisous.